La mort peut paraître injuste, non compréhensible, voire révoltante. Mais elle ne peut être une fin en soi, car vous pourrez toujours faire mémoire de ces moments vécus ensemble au fil des années. En pensant à Francis Giffard, votre proche, votre élu, votre camarade, un mot m'est apparu comme une évidence, l'engagement. Un homme engagé, tel était Francis. Engagé aux côtés de ses collègues de travail, de ses camarades syndicalistes. Un homme engagé au service de sa ville, d'Yves-sur-Mer, de ses habitants. Un homme engagé pour les valeurs et les droits portés par notre République. Un homme engagé pour défendre son idéal de communiste. Francis, cher camarade, tu as rendu ta vie profondément utile en faisant vivre tes idées au quotidien. À chaque fois que je suis venu dans ta ville, à ton invitation, j'ai ressenti l'affection et le respect qui t'entouraient. Tu vas manquer aux habitants de Dives, à tes camarades, aux élus. Pierre Mouraret le dira mieux que moi. Mais je sais que ton exemple va être pour eux, tous et toutes, source de détermination. Mon camarade, notre petit père, comme nous l'appelions affectueusement entre nous. Je suis triste, nous sommes tristes. J'ai le cœur qui saigne. Ma peine est à la hauteur de l'immense chance de t'avoir connu. Avec toi, Francis, j'ai tant et tant appris. Le courage de l'intégrité, la force de la simplicité et la puissance des rêves. Avec toi, j'ai partagé le goût des autres, l'attention aux plus faibles et l'inépuisable source de l'amitié. Tu as vécu toute ta vie avec le même salaire, le même revenu et dans le même petit logement HLM que lorsque tu travaillais à l'usine. Ta vie tout entière est la preuve que l'on peut faire de la politique et rester pur. Toi, le petit ouvrier sans grande formation, tu as su te hisser au niveau des plus grands, avoir une vision claire de l'avenir pour ta ville et son insertion dans un monde que tu voulais toujours plus juste et plus humain.